Au facile, 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 au
Tous les bonheurs, 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 tous les bonheurs
Alléluia. Dieu ne peut pas vous bénir. Lorsque vous
vous êtes attaché à la maison de vos pères. Alléluia. Dieu ne peut pas vous élever pendant que vous continuez encore à vivre dans la maison de vos pères. Le Seigneur Jésus ne peut pas vous guérir. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous n'aurez aucune réponse. Amen. Vous le savez déjà. Alléluia. Parce que vous êtes encore attaché à la maison de votre père. Alléluia. Beaucoup vont me dire de Dieu. Moi qui suis là ce soir, je suis encore dans la maison de mon père. Le Seigneur dit de vous dire, vous devez sortir de la maison de vos pères. Qu'est-ce qu'on appelle la maison du père? Lorsqu'on parle d'une maison, alléluia. Quand on rentre dans une maison, qu'est-ce qu'on voit dans une maison? Alléluia. Dans une maison, on voit tout. On voit des hommes. Alléluia. On voit des personnes qui habitent dans la maison. Au-delà des personnes qu'on voit, mon dos vers mon frère, on voit aussi des pratiques. Amen. Un bon dos et voir là. Dans cette maison-là, allez, mon bon nom. Là-bas, là. Oui, là. Le matin, soin. Ils prennent le café. Avec un café là. Alors que dans votre maison-là, un bon nom. Bon, le matin, là. Soin. La bouille, ils prennent. Ah, C'est la bouille, ils prennent. Du bon nom. Et du maïs. Comment? Alléluia. Mais dans la première maison, mais à Dieu, là. Le soir là, tout le monde prend la Bible. Et on commence par lire. Alléluia. Après la lecture, on tout le monde commence par prier. Mettez la maison à côté. Mais là, on peut prier. Le soir là, on remet à chacun chapelet. On remet à chacun chapelet. Chacun prend un crucifix. Chacun prend sa chose. Et on commence par réciter les choses. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la maison du père. Dans la maison du père, il y a les pratiques. Il y a les comportements. Comment se fait-il qu'on dit telle personne? Est de telle famille? Parfois, il nous arrive. C'est à elle là. Non, elle est de cette famille là. Parce que les hommes de cette famille là. Parce qu'elle est de cette famille là. Hier, je t'ai dit dans le même salon. Mais aujourd'hui, mais Dieu
Non, toi qui es rebelle. Non, il est que là, venu. Non. Non, ça. Attendez. Dites-moi. Il va pour moi. Un enfant de Richard est quoi? Un enfant de Richard est quoi? Un enfant de Richard est quoi? Charles. C'est un chien, non? Hein? Un enfant de Richard est un chien, non? Non. Un enfant de Richard est quoi? L'enfant de chat va ressembler à Charles. L'enfant de chien va ressembler à Chien. L'enfant de lion va ressembler à lion. Donc il n'y a que la photocopie de la réalité. Ce qui fait là, en réalité, c'est pas lui, c'est la réalité. Amen. C'est ce qui se fait chez lui. Alors, ben, qu'elle avait fait. Amen. C'est lui, en effet, les femmes, nous sommes les hommes, au même tel, c'est lui, en effet, les femmes, nous sommes, pas les hommes, au même tel, pour alléluia, attends, maintenant, elle, allez, elle vient à Jésus, allez, on a Jésus, maintenant, on lui donne Marie, car au même tel, vous voulez qu'elle respecte Marie, avec père, avec toi, elle ne peut pas. Avec ce que tu as dit, amen à quelqu'un à Bouya. Alléluia! Attends, Jésus a dit ceci. Yes, comment? Il dit ce qui est né de la chair. A combien Bangla est Fazoula? Est chair. Allez, Fazoui. Ce qui est né de l'esprit. Lui, Bangla Nina, est esprit. Allez, Veni. Je te pose la question. De quoi es-tu né? Il est Bangla de Fazoula. De quoi es-tu issu? Il est du Malaya. Alléluia! Attends. Si tu es issu, Nibéa, tu le races. Des lions. Quel animal de la forêt le lion va s'humilier? Va se prosterner. Les pratiques de votre milieu. Attaque à
Alléluia. Il y a des milieux dans lesquels. Passons là, Dobé. Il n'y a pas ce qu'on appelle le pardon. On le fait, ça va être. Tu tapes l'enfant, l'enfant va à la maison. Sa maman. Attends, son papa, c'est un grand frère, attends, c'est un grand soeur, chacun avec un ballon. Et l'enfant devant, montre pas qui t'a frappé. Pourquoi t'as pas mal au fond? C'est faux? C'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Dans cette vie, où règne le manque de pardon? La violence arrache. La vengeance. Le sang va couler. Lorsque ces personnes viennent à l'église, ils ne changent pas. Alléluia. Ils ne changent pas. Alléluia. Ils ne changent pas. C'est pourquoi dans la maison, il y a des rebelles. Il est dans l'église de Dieu. Mais il n'a jamais changé. Ce que je vous dis là, le uniforme, c'est sûr. Allez, tchano. C'est quoi lorsque vous verrez la scène de prière? Allez, quand on a un an, c'est noir là. Tout te fait mourir. À quand qu'à ça? Mourir, me dis-moi. À quand ça va vous dire? Tu vas rejeter tout ce que tu as à l'intérieur de ton pied. À quand tu as qu'un, il quand tu as les paix pour faire. Tu avais une façon de t'habiller. Il t'a, sur le toit. Si tu t'habilles, on va remarquer que tu passes. Il t'a, sur le toit. On va remarquer que tu n'es pas. Il va te manger de la. On va remarquer que tu as rond. Tous ceux qui portent la foi. Mais au moment ils perdent le courage de là. Au camp là. Et parce que. Au camp. C'est une manière. Au condor. De manifester leur foi. Car il y a la foi dans le camp. Et parce que en mettant la foi au cou. Au camp on va la foi. Ça montre que on aime Jésus. Donc alors nous. En mettant la foi au cou. À l'époque où il y a des démons vont fuir. Au camp là nous camp là nous sommes jamais pourris. Démons vont fuir parce que tu as porté quoi? Je donne la préparer qu'à quoi doit. Alléluia. Tout le temps. Démon, il fuit au nom de qui? Je donne la préparer au nom de la croix, c'est ça non? Non, non, prends le temps là non. Les démons fuient au nom de la croix, c'est ça. Je donne la préparer au nom de la croix, les démons vont fuir. Prends le temps là, est-ce que tu donnes c'est pas ça? Allez, d'ailleurs. Au nom de la croix, les démons font partie. Prends la croix, est-ce que tu donnes la préparer non? C'est ça non? Allez, ok. Au nom de qui? Donne le temps là. Au nom de. Donne le temps là. Voilà. Donc le vrai Jésus là. Non, Jésus. On le porte pas au cou. C'est dans le cœur. Et c'est dans la manière de garçon. Il t'a tellement cher. Il t'a tellement riche. Alors, le Jésus que vous mettez. Jésus, mais avant de là, c'est un mais Jésus, sur Jésus, oui. Nous sommes un Jésus mort. Jésus, tu mets un Jésus fabriqué. Mais avec la Jésus, on met au Cameroun. Attendez, est-ce que vous savez? Ah, Caroua. Ceux qui fabriquent les Jésus que vous portez. Mais non, on va Jésus avant de là, on va faire. Est-ce que vous savez qu'ils ne sont pas des chrétiens? Est-ce que vous savez ça? Alléluia! Est-ce que vous savez ça? Les gens qui fabriquent les crucifix là. Les gens qui fabriquent les statues, les choses de Est-ce que vous savez qu'ils ne sont pas des chrétiens? C'est des païens! Donc vous allez acheter Jésus chez les païens. Jésus, ils ont rejeté Jésus. Vous avez accepté Jésus. Vous allez chez eux. Voilà, c'était Jésus. Il y a des Jésus de 25 francs. Il y a des Jésus de 50 francs. Alors, demande-moi. Les Jésus de 100 francs. Les Jésus de 500 francs.
Jésus de 2000 francs. À Kémy Flavé. Alléluia. Jésus de 2000. À Kéménanwe. De 5000. À Wakéné. De 10000. À Waflavé. De 20000. À Wakéné. À Wakéné. À Wakéné. À Wakéné. À Wakéné. Mon père le Paris. En fonction de sa poche. Allez là, car on attend que Jésus correspond. Quand on va, et Jésus, on sort la Jésus. Alléluia. Donc, prends le Jésus en point. Donc, Jésus, on va te dire là. On va dire. On remet Jésus en place. Quand on va, Jésus là, pas là. Le Jésus qui est en voile. Jésus lui-même est pas un bois. Il est en train de faire le feu. Il va être tassement là. Et qui fait l'œil de Jésus est tombé dans le feu. Il n'est pas dit que Jésus est tombé dans le feu. L'œil de Jésus est plus. Ah, Jésus, Alléluia! Alléluia! Et tu sortais, vous êtes libre! Tu peux te ton corps.
femme qui veut. Là, dans les vêtements, ils sont limités à quel produit de beauté, les produits de corps. Même mon état, il n'y a rien. Comment vous pouvez faire ça? Il y a une maille qui a encore fait checker. Il veut ça. Alléluia! Ton nom. Tu vas mourir. Il veut ça. Mais le problème, c'est quoi? Mais alors, comment nous le faire? C'est pas la manquer le problème. Mais ça n'est pas que quoi? C'est ce qui va se passer. Mais mieux maintenant que vous avez. Parce qu'après la mort, parce que c'est un qu'on fait, il y a une autre vie. Oh, si toi, mais tout. Alléluia! Tout il y a une autre vie. C'est un zidore qui nous attend. Allez, va qu'on a. Et cette vie. Allez, c'est Alléluia! Tout le temps. Là, ni début, ni fait. Oh, allez, veillez dans ta là. C'est ça que la vie éternelle. Alors, va la vie éternelle. Allez, alléluia. Tu peux la passer. Et qu'est-ce que tu as fait là? Alléluia. Attends. Tu peux aussi la passer. Et qu'est-ce que tu as là? Dans le paradis. Tu vas faire un choix. C'est quoi l'homme, là? Et c'est Dieu maintenant. Allez, mec, c'est quoi lorsqu'on te parle? On te donne la parole. On va faire un peu de temps. Pas fermer ton cœur. Et quand quelqu'un dit soukoun, on se dit d'enlever, c'est quoi le vie? Qu'on n'a pas fait un peu de bruit quand il va après. Il y a des gens ici. Donc, veillant. Amen. Donc, attends. Ils enlèvent des choses. On va faire un bol. Quand ils viennent à l'église. Non, on va faire un bol. Ils enlèvent. On va bon. Alléluia. Donc, attends. Tu les vois, vraiment, c'est bon. On va dans l'église, on va dans l'église. On fume l'église là. Donc, à l'église, il est donc à porter ça. On prend le chemin de la maison là. On, ben, on rentre à la maison là. Oh, on repart la maison. Les maisons là. On va les pères sur la pompe. On va laisser le bébé. 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 Allô, c'est écrit ou même de la parole. Et c'est à pas de parole. Assurez-vous la casse, avant, il faut qu'on ait un parfait d'eau. Alléluia. Tout le temps. C'est écrit ou moi je vais vous dire. Quand je ne parle pas à l'alcool, l'homme n'a aucun parfum blanc. Non, on ne parle pas à l'alcool, il faut montrer ça. Après, avant, allez, il faut le donner. Non, on ne parle pas à l'alcool, il faut montrer ça. Avant, il faut montrer qu'à coup de coup, il y a un minute. Je ne vais pas. Pourquoi? C'est écrit ou allez-là, c'est écrit ou Akalami. C'est écrit où? Akalami. C'est ça les raisonnements. Allez, le là. Et fais pas un peu de temps. Quand ça va dans le Kunkuta. Et il vient à l'église. Quand ça va dans l'église là. On y va prier et puis pas. Pourquoi il est quand c'est lui? Quand on va prier, c'est lui qui tombe. Oh non, mais c'est quand ça va vers le pays. Il tombe toujours. Avec des motifs. Donc l'église se met à prier. L'église va vous aller pour. Oh, c'est lui qui a pris. Oh, Kunkuta. Alléluia. Et le chant se met à prier. C'est pas feu, c'est pas feu qui est là. Tellement t'es boule global là. C'est cigarette qui est là. C'est cigarette qui est là. Oh, mais ben t'en haut. Alléluia. Tombe ton. Non, on doit pas chicot. Pour encore qu'un gars, tombe la poche. Libre, on va bien aller. Avec ce qu'on voit, on voit que c'est pas été. Mais il y a quoi ce trait. On chicote. Avant, Google. Amen. Moi, je connais. Il y a des équipes dans lesquelles on chicote pour délivrer. Vous pensez bon. Il y a des églises, on pas chicot. Bon, église, on va dire, si jamais on te cherche avant, non, on va colonie. Ah, avant. Fais de tomber le jour à bouffer. Et moi, je chicote. C'est mon petit, tu me laisses. Non, c'est mon petit. Non, c'est mon petit. Non, c'est mon petit. Non, c'est mon petit. Alléluia. Alléluia. Maintenant, faut pas avoir double vie. Et quand on a su, parfois une vie ici, et quand on a su, on a des gens, quand on dit une vie, et bien il y a un lit de vin. Il y a des gens ici qui ont encore des bouteilles de vin. Moi, je vais y avoir, même dans la maison, on a un bon nom. Il y a des gens ici, ils ont fait des paquets de cigarettes. On t'a cigarette, mon bro, dans leur poche, avant ta poche, accroché dans la maison. Avec un bon bonnet. Il vient ici, Dorbéan. Il danse, un mec qui danse plus que tout le monde. Avec donc, quel bon il a carrément mon père. Alléluia! À Tiamlou! Mais cigarette là! 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 Dans la patate là! Oh, t'as un poteau bon! Ils ont mis code partout! Oh, au cas, code de la robe! Code! Partout! T'as un robe! Ils ont mis code pour quoi? Au cas, code de la robe! Parce qu'il y a des chocolats, ne regarde pas! Parce que fin d'or, on est dans la robe! Non, dans la robe, on est dans la robe! Ça s'en va aller! Tu es dedans! Il va aller là. Amène le portable. Il va faire là. Alléluia. C'est ça qui te tue. Alors, ben, il faut là. Tu ne peux pas avoir ça dans ton pays. Il t'est fait qu'à ce là. On dit si on commence pas à chasser l'esprit d'ici. C'est la sirène des sauts. Loco, Nina, Gilani, Kassar. Allez, il va prendre le flot. Je vais vous expliquer. Je ne veux plus si vous devez constater ça.
Lorsqu'on commence par chasser l'esprit, et que l'esprit refuse de partir, quelle que soit l'onction de l'homme de Dieu, même ne partira pas. Et si l'homme de Dieu n'a pas rapidement le discernement, il va se fatiguer. Lorsque le démon dit, cette personne a une vie cachée. Comprenez ceci. Écoutez par le cher maman. Écoutez-moi pas de ce soir. S'il vous plaît, prenez ce passage. Réécoutez plus ce soir. Chaque fois que vous commettez un péché, appelle du mot quelqu'un. Un démon rentre dans votre vie. Ni quel va être l'état si bon. Automatiquement. Dieu est là. Alléluia. Chaque fois, quand tu commets un péché, il t'a dit mon gars, un démon rentre dans ta vie. Ni tout le monde va être alléluia. Chaque fois, quand tu commets un péché, il t'a dit mon gars, qu'il soit petit ou. N'est-ce pas, avec ce péché. Du mot gars, oui. Démon rentre automatiquement. À quel va être l'état? Automatiquement, le démon de Dieu, il vient. Amen. Mais comprenez-moi une chose. Le démon ne vient jamais seul. Pardon? Les démons ne viennent jamais seul. Je ne vous parle pas d'expérience. Les démons ne viennent jamais seul. Lorsque le démon de Monceau va rentrer dans le monde, il ne va jamais venir seul. Il va venir avec un autre démon. Pourquoi? Parce que c'est bien seul que c'est plus facile de l'interroger. C'est pourquoi souvent, lorsque vous me dites, Amen. Amen.
Le témoin ne va jamais venir. Lorsque tu mens, le démon de mon sang va venir. Mais il ne va pas venir seul. Attends, il va venir avec le démon de convoitise. Il va venir avec le démon de orgueil. Vous savez pourquoi les gens mentent? Alors, quelqu'un ment. Parce que celui qui est mal, il ne peut pas qu'on sache ce qu'il est. Mais il ne veut pas qu'on sache réellement son identité. Donc pour garder une fausse apparence, il doit donner une fausse identité. Il doit donner une fausse déclaration. C'est pourquoi le démon de mensonge est venu avec le démon de convoitise. Il est aussi venu avec le démon d'hypocrisie. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il vous plaît, libérez-la. Tu peux renoncer définitivement au péché. Tu es là, un homme t'a appelé pour moi. Mets ton vieux. Non, c'est pas ça. Libère. On va voir Madrid. Qui l'a pris? Il sait que la dîme a même payé. Tu t'es trompé ton droit. Allez, Nini. Mipi, va le connaître. Il a été dégagé là. Aujourd'hui, quand tu peux 10 personnes,
Nika, écoutez-moi bien. Quand tu prends 10 personnes, Nika, mon tata. Alléluia. Toto. Yo, mais c'est que si ce que la société est consciente. Pourquoi la sorcellerie? Pourquoi la sorcellerie? Pourquoi la sorcellerie? Avec le cœur, même du ciel. Lorsque dans ton cœur, il t'a dit que la voiture, tu as le manque de pardon. Lorsque dans ton cœur, il t'a dit que la tu te fâches, il peut tu es un bon candidat pour la société. Super. Ce qui fait que la nuit, quand vous dormez là, allez, voilà, qu'on y a baisse, non, là, on vient vous donner à manger. On vient à garder le diamant. Alléluia! Il y a beaucoup qui mangent la vie! Donc, mais avec mon Dieu, Dominique Asnola. Qui mange ici la vie? Dieu, mais Dominique Asnola. Qui mange ici la vie? Attends, c'est quoi là? Qui mange ici la vie? On dit qu'il va arriver tout le monde les gars comme ça. Comme si vous ne voulez pas. Avec le problème, il y a ça qui a un peu même flétri. Avec les bébés. Qui mange ici la vie? Tout le monde les gars. Qui a de manger ici la vie? Dieu, mais Dominique Asnola. Si vous parlez pour cela. Amen, je ne sais pas, vous êtes vraiment pas ce soir. Amen. Allez, bien, la paix ne va vous libérer de cela. Allez, bien, on a pas ces jours-là. Savez que manger la vie, c'est pas bon. Attends, on cause la cadeau de la main. Même manger là. Quand on vous donne le secret du manger. Maintenant, est-ce que tu as écoutez pas ce conseil. Ah, bah, mais. Tout le monde a quand même écouté pour ce conseil. Bon, ben, mais. Lorsque. Quoi, tu dis, quelqu'un t'invite. Mon cœur, à manger avec la personne. Amen, Dominique. Si ton cœur n'est pas bon envers la personne, l'état du jour moyen à ce qui fait ni, il qu'en a dominé. Je reprends. Madame Nantou. Il faut arrêter beaucoup de bonnes choses. Avenant, allez souvent dans le témoignage. Lorsque, Wadibi, quelqu'un, malgré, t'invite, avec Wadibi, à manger avec, avec Dominique, et que dans ton cœur, il t'a mis avec du jour. Tu n'es pas en bon terme avec lui. Car son main, à main, allez faire. Il ne faut pas manger. Quand on t'a dominé, si tu manges, les cadeaux, cette nourriture-là, allez, venez. Tu as mangé ta propre mort. Et quand tu as si le tu as mangé ton propre envoûtement. Et quand tu as si tu peux manger la même nourriture avec la personne. Quand on t'a dominé, allez, mon cœur, tu seras envoûté. Après, il est sorti. Il n'aura pas de problème. Il vient à côté. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus. Quand Jésus avait dressé la table à la rue là. Les disciples mangeaient avec Jésus. En tout cas, quand on a Jésus. Parmi les douze là. Il y avait un. Dont son cœur n'était pas en voie avec Jésus. Jésus détestait Jésus. Allez tout mettre Jésus qu'on est là. Moi dis que Jésus prenait soin de lui. Mais Jésus il est tombé de Judas. Moi dis que Jésus a fait tout l'amour pour moi. Jésus tombé. Combien il est la première. Détestait Jésus. Mais Judas ne Jésus tombé. Combien il est parti livrer Jésus dans la sorcellerie. Allez il est allé Jésus dit moi. Il est comme ça. Ils vont livrer leur frère à la sorcellerie. Oh ben il est à bon moment de soigner. Alléluia. Tu vas manger avec toi. Ce que vous mangez, c'est pas seulement nous, seulement. Il y a derrière, il y a encore une spiritualité. La personne avec qui tu manges, tu es en alliance. La nourriture, c'est une alliance. Il a mis mon même par la Dominique Yoma, à quel point béni Mantolo. Si vous avez ça. Et donc alors, la nourriture, c'est une alliance. Dominique là, béni ma frère. La nourriture, c'est une alliance. À quel point béni ma frère. Ça dit quoi? Allez, comment vous dites? La personne avec qui tu manges. Liberté de mon mien. Toi et la personne, vous devenez un. Ou bien, il est en train avec qui? Tu es dans la personne est en toi. Il va attirer là, attirer là. Est-ce que j'ai dit? Attends, celui qui mange ma chair, mon mien, attends, il prend mon sang.
Alléluia. Alors Dieu éternel. Je suis en lui. Et il est en moi. Amen. Donc quand vous mangez la nuit, vous ne savez pas d'où vient cette nourriture. Vous savez que le monde, la société, est monde sale. Ce que vous avez pensé, c'est la vie. Oh, c'est peut-être maintenant le sang. C'est le sang. Peut-être de Dieu que tu es en train de boire comme ça. Il te va l'obéir. Alléluia. Le poulet que tu manges là, c'est la chair humaine que tu manges. Et lorsque vous mangez ça, vous devez payer. C'est pourquoi, quand vous mangez la nuit, vous devez payer la nourriture. Pas quelque chose. Vous devez redevable. Il y a des réclamations sur votre vie. Est-ce qu'on peut comprendre maintenant? Est-ce qu'on peut comprendre? Il n'y a pas des dangers. La nourriture dont tu... Quand vous mangez cette nourriture, vous devez rembourser ça. C'est comme dans la sorcellerie. Lorsque tu manges la chair de la sorcellerie, la chair que tu as mangée, tu vas rembourser ça. Il va donner quelqu'un. Les sorcellers savent ça. Alléluia. C'est pourquoi quelque chose de ta vie doit être pris en retour. Allez, au cours, il t'a chicoté. On peut prendre ta santé. Alléluia. On peut prendre ton mariage. On peut prendre ta chance. On va prendre quelque chose de toi. On va que ce soit tous ceux qui t'ont pris par la nourriture. Tu les récupères au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'a donné dans ton sommeil. Et tu as mangé conservant aujourd'hui même. Tu récupères au nom de Jésus. C'est pourquoi, avec vos gens, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vient d'avoir le Amen. Vous savez, alors, lorsque vous avez une habitude de manger, de manger n'importe quoi, lorsque vous avez quelqu'un de nature gourmande, c'est une nourriture spirituelle. N'est-ce pas? Allez, c'est une nourriture spirituelle, c'est dans le rêve. La vraie nourriture spirituelle, Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque vous manquez de lire la parole, il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas la Bible. Les mêmes vies. Chrétien les mêmes vite. Oh, sorcier, lui n'a jamais les mêmes vite. Oh, soudain, il a sa calebasse. Allez, attends, la sa gris-gris. Attends, il a ses choses qui va mettre sur la route avant de sortir. C'est pourquoi tu dois t'équiper avec la parole. Allez, cause, je te sais car ma tête a comment t'as gagné. Amen. Ça va tellement. L'autre chose que vous devez aussi faire. Avec la main qui est prend. Amen. Ça va tellement. Lorsque vous mangez la nuit. N'avez pas de grâce super. Les enfants écoutez pas bien. Dès l'avant, avec Amen. Tous les enfants sont beaucoup victimes de ça. Et moi, tellement nous, les parents aussi. Va de mon frère. Lorsque vous vous réveillez les matins. N'y a où les enfants. Demandez toujours à vos enfants les rêves qu'ils ont faits. Soit ils vous disent qu'ils ont rêvé et vous racontent le rêve.
Soit ils vous disent qu'ils ont rêvé. Ils ont plus le rêve. Soit ils vous disent qu'ils n'ont pas rêvé. Amen. Toute personne normale. Momi allez entre nous qui dort dans la vie. Avec celle-là ni à quand t'as sigolé. Quand nous dormons. Nyalala. Nota. Attani. Continue encore. Avec ta matou. De vivre. Avec ta vie. Quelque part. Avec ta vie sigolé là. Alléluia. La plupart des personnes qui quand ils rêvent. Et dormez sigolé. Ils supplient les rêves là. Attends, sigolé. Tu veux dire 8% sont dans la sorcellerie inconsciente. Allez montoni. Allez vers comme c'est la sorcellerie qui fait ça. Mais allez, tu vas en être quoi quand même? C'est qu'ils enlèvent tout ce que tu as vu dans le son. Parce que, mi, et Kayeli, on va faire ça. Donc, il y a tout. Mais quand tu oublies tout, il va faire que mes liens, tout sort de ta tête. Tu n'as pas dit qu'à ce que je suis en train de faire. Donc, posez la question pour savoir, ok. Quel est le que tu as fait aujourd'hui? Si vous dites qu'il n'a pas fait attention, ne pas comment si vous gagnez un si vous dites qu'ils ont la maison, attention, ça veut dire que vous devez vous lever de la prière. Les causes, un mot femme à ouvrir. Amen. Et au local où l'enfant va manger, pas que maman, j'ai mangé du vide, j'ai mangé ceci. Les menaces, quand vous êtes à côté, vous avez dit, faut pas avoir peur. Amen. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Alléluia. Vous savez pourquoi on ne doit pas avoir peur? Pourquoi on ne doit pas avoir peur? Est-ce que vous savez pourquoi on ne doit pas avoir peur? Pourquoi on a quand même quelque chose? Après quelque chose. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Oh, Matilda, c'est pour le sang de Jésus. Je t'en passe un coçon. Viens maintenant, où est-il dans ce que vous avez mangé. Et le sang de Jésus va être pris. C'est quoi la droite dans le rêve? Alléluia. Alléluia. Si tu manges à lui, et tu te réveilles, quand je le oui, tu vas faire quoi? Il va me bloquer. Qu'est-ce que vous allez faire? Avec vous allez faire quoi? Avec vous bloquer. Vous allez faire quoi? Avec quoi? Avec le sang de Jésus. Tu pries avec le sang de Jésus. Il veut essayer que Jésus t'asse, Il va amener la réclamation sur ma vie. Par le sang de Jésus. Je la détruis. Oh, amen, d'accord. Je chopois le sang de Jésus. Et son meilleur histoire, Jérémy. Puis fais le sang de l'eau à vos enfants. Amen. Et jusqu'à ce qu'il vomisse la vie. Il n'est pas vomi physiquement. Amen. Mais il vomit spirituellement. Après qu'à fond, il y a un peu de spirituel. Parce que ni dans notre nom. On ne voit pas. Amen. C'est pas lui de voir ça avant de voir. Alléluia. Pas avoir peur. Que dans cela. Mais c'est pas bon. Et amen. Quand vous mangez la vie. Quand amen. T'as pas temps. Donc ce sont les yeux de la sorcellerie. Non, tu te rends à l'île. Et tu vas défaire. T'as il y a quelque chose. Quand on va essayer mon attention sur ça. Pour maintenant, allez, je ne vais pas arrêter la prédication. C'est la voix dit. Ni, n'y a maintenant là, l'enfant. Lorsque vous venez à la scène d'offrir, alors, la voix dit, la scène manila. C'est maintenant que vous recevez la vraie délivrance. Allez, le 6 ans, Avena, Bossili, n'y a pas de soucis. Je reprends. Lorsque vous venez à la Sainte-Doctrine, c'est maintenant que vous pouvez recevoir la vraie délivrance. Pourquoi c'est la vraie délivrance? Est-ce que votre corps, votre âme, et votre esprit seront sanctifiés? Amen. Donc, vous allez donner tout à Jésus. Donc, amen, Jésus. Et maintenant, les choses qui vont rentrer en vous, maintenant, ne doivent plus les choses avant. Lorsque les tenues que vous portez là, les tenues que vous portez, on les appelle les vêtements. Quand on dit vêtements, dans le sens spirituel, ça veut dire une onction. Les vêtements représentent l'onction. L'onction qui est derrière le vêtement. Ce qui veut dire quoi? Les vêtements que vous portez là. Il y en a parlé d'événements qui sont marqués. Les têtes de mort. Vous avez porté seulement vêtements. Ça veut dire, c'est vêtements que j'ai porté. Alors,
C'est maintenant que j'ai porté. Je me suis dit, qui est-ce que le vêtement là? Dieu ne m'a pas dit. Est-ce que tu sais que c'est une marque? Est-ce que tu sais que c'est un dessin? Est-ce que ça, tu sais que derrière le dessin, il y a un message? Est-ce que tu as loco aller faire une compagnie? Vous savez que les dessins parlent mieux que la parole. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Les dessins parlent mieux que la parole. Le dessin que vous avez mis là, c'est un symbole. Ça cache un monde spirituel. Amen. Donc c'est une tête de mort. Qui est sur ton vêtement? Ça veut dire que c'est un portail. Pour laisser ce que le monde te suit pas. Et quand on dit à ce que le monde, non, moi je n'ai pas mourir. Donc, allez, là. Insensé, allez, gogo, et bien, la vie sera frappée d'esprit de mort. Mais il t'a fini, Les locaux ne sont pas choisis au hasard. Alléluia. Les noms des partis politiques ne sont pas choisis au hasard. C'est des choses qui sont travaillées dans le mystique, dans le beau mystique. Je suis aussi pour mon parti politique. Tu n'as rien compris. Amen. Vous êtes identifié, vous êtes marqué, vous êtes sous l'envoûtement. Allô, vous ne savez pas. C'est chaud, il faut brûler ça. Allez, fais ton niveau aujourd'hui. Si c'est le seul vêtement que tu as, il faut brûler ça. N'y a pas eu pour le niveau aujourd'hui. Ne vous restez torse nu, même que vous restez nu. Même les mains en tout, il faut porter un vêtement d'envoûtement. Il faut tourner, il faut carrer, il faut tout comme ça. Je n'ai pas parlé de parti politique. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui portent des vêtements qui sont même sur les pensées, des oiseaux, hein? Des aigles, des hiboux. Nico, moi, je ne partirai pas d'ici. N'entends pas.
On dit, pourquoi tu n'as pas parti? Je ne partirai pas. On dit, mais il s'est reparti, oui, mais je ne partirai pas. On dit, la jeunesse est marquée.
avec mon nom, ne prie pas garder une seule femme. À des cas, allez, monsieur Mito. Alléluia. Attendez que nous. Aujourd'hui, c'est plus facile de divorcer comme on achète. Bien car monsieur Mani, c'est plus facile aux gens de divorcer. Derrière cela se cache ce qu'on appelle la malédiction de la polygamie. C'est la polygamie qui fait ça. Dieu a maudit la polygamie. Ils sont sous l'emboutement, ils sont sous la malédiction de la polygamie. Ont subi les conséquences. C'est pourquoi le divorce là. C'est un signe de polygamie, c'est une manifestation du polygamie en fait. Lorsque tu connais au moins deux hommes dans ta vie, tu vois l'esprit de polygamie à travers ta vie. Alléluia. Attends-nous. Si c'était possible, Et tu es sur le qui de passe. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Il y a des alcooliques. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Qui ne sont pas dotées. Mon seul mère. Mille vers. Alléluia. Attends maintenant. Je vais vous dire ceci. Amen à côté de vous. Vous savez, la relation dans laquelle vous êtes. Amen, amen, amen. C'est sous la colère de Dieu. Alléluia. Attends, et tout ce qui sort de là. Tout ce qui sort du produit de la colère de Dieu. Même pour résultat diminuer là. Et une malédiction. Ce qui va dire quoi? Ils ne savent pas qu'ils sont issus des relations. Non approuvés par la parole de cette doctrine. Parce que c'est la malédiction. Alléluia. Lorsque vous ne dotez pas lorsque les femmes, vous n'êtes pas dotées. Alors, vous savez ce que ça veut dire? Dans le monde spirituel, vous avez engagé un combat contre vous-même. Vous avez brisé des principes spirituels. Vous avez rendu votre vie fragile. Alléluia. Parce que même les démons, même nous, savent ça. Les démons de lui là. Ni nous. Les maris, les femmes de lui là. Ni nous souffrons, nous sommes. On laisse le principe de danse. Pourquoi lorsqu'on veut chasser l'esprit de lui? Pourquoi on veut en mettre de mariage? Pourquoi on veut aller de mariage? C'est un principe spirituel. Ça n'a rien à voir avec d'abord, oh, j'ai de ma vie à Jésus, non. Le Dieu de ta vie à Jésus parle. Si tu n'as pas doté ta femme, tu n'as pas doté ta femme, tu
tu es un voleur. Et la femme devient un objet volé. Celui à qui a fasté appartient l'objet volé va faire quoi? Si c'était vous. Depuis votre maison.
Il y a depuis il y a un bonhomme jusqu'à l'église, même dans le champ, même dans le marché, même dans le coin, cachez votre corps. Vous savez ce que Dieu a dit à propos de ça? Il laisse son corps et maudit et maudit les gens. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous avez votre corps, vous laissez vos lombrils, on voit. Vous êtes un maudit. Et vous maudissez les gens. Et c'est pas fini. Toutes les femmes qui font ça. Chassez l'esprit de sorcier. Soit elle est une sorcière. La nudité est sacrée. On ne montre pas sa nudité à son enfant. Les hommes qui s'habillent devant leurs enfants, vous les maudissez. Je connais l'histoire d'un enfant. Parce que l'enfant rentre dans ce monde qui ne maîtrise plus. Parce que dès le matin, Dieu a donné l'enfant à tes parents. Attention. Beaucoup d'enfants ont été initiés par ça. Alléluia. Vous devez apprendre à cacher votre identité. Vos vies sont bloquées. C'est quoi les femmes qui s'habillent n'importe quoi dans la rue? Je t'arrête pas esprit de sorcellerie dans ce corps. C'est un sorcier. Vous ne devez vous répondre de ces péchés.
Il y a la vie de cet esprit à cause de ça. Donc il faut aller coucher avec les enfants. Vous couchez avec les enfants. Si tu es ici, tu vas demander pardon. Demande et pleure, demande ce qui est. Je sais pas ce qui m'a poussé à faire ça. Parce que si tu ne te réponds pas de ça, ça t'attaque. Parce que ni moi, on s'en va avec un. Et notre fils, c'est bien d'abord. Mais tu as détruit la vie de l'enfant. Mais il a dit ta siloche. Tu as amené une malédiction à la famille. Il n'en a ni tellement ni une famille qu'on. Alléluia. À quel moment? Si tu as fait ça, ni tu m'as fait. Tu es un homme, tu es ici. Hubert. Et tu attrapes les petites filles, tu couches avec eux, avec elles. Il va être un petit nom, il va être bon. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait? Il a mis c'est ce que tu as fait. Il a mis bien mis. Est-ce que vous savez quand vous couchez avec un homme, c'est ce que ça veut dire? C'est n'importe quel n'importe mon père à ta les démons de sa famille. Ah ben à ta famille ni belle autre. Dans votre vie. À ta sila. Alléluia. À ta famille. Si dans ta famille, je suppose que. Il ta famille là, ma ta dans sa famille à lui. Ni à ta famille. Il n'y a pas de stérilité. Les gens dans sa famille, ont des enfants, se marient rapidement même. Et il fait erreur un jour. Quand il est couché avec une femme, et dans la famille de la femme, il y a stérilité. Il y a célibat. C'est le banimé. Lui prend ça dans sa vie. Allez, ben, nani, il va plus comprendre sa vie, mais. Oh, ma soeur, mes frères, mes enfants, je ne me marie pas. Quand on est au c'est pas ça là. Malheur, mon le bénier. Pourquoi chercher loin? Il t'a mis à la protection. Il t'a mis à sonner. Coucher avec un homme, une femme qui n'est pas ton mari ou ta femme. Il faut famille de la modulation. Dans l'anino. Arrêtez de vous livrer votre corps, de livrer votre corps. Gardez votre virginité. Si tu n'es pas vieille, c'est grave. Alléluia, à te maintenir. Tiens-toi debout, toi fais. Et bien, où les sangs, il va y avoir d'être bon. Il va y avoir d'être bon. Regarde ta vie. Il va y avoir s'il plaît. Tout ce qu'on a dit là. En camille, il va y avoir. Où est-ce que tu te retrouves? Il est bien, il reste là. Dans tout ce que tu as entendu ce soir. En camille, il où est-ce que tu te retrouves? Il va y avoir là. Comment se fait tes amis? Il va y avoir d'être bon, parce que c'est pas. Comment se fait tes amis? Il va y avoir d'être bon. Examine-toi. Il va y avoir s'il plaît. Examine-toi. Il va t'assister. Regarde combien de fois tu t'es prostitué. Il va faire tu t'es lavé chez le petit chat. Il t'a lavé pour que le petit chat. Le petit chat a couché avec toi. Que pour la nier. Le petit chat a couché avec toi. Que pour la nier. Toi qui es ici qui a couché avec un petit chat. Il est mimé, il pour la nier. Toi qui es ici qui a couché avec un petit parce que tu cherches. Il est mimé, il pour la nier. Il veut t'a donné. Tu cherches une puissance. Il veut prendre. Le petit chat avec qui tu as couché. De trimé, il pour la nier. Il est qui, n'est-ce pas le diable? À quelle amour tu as couché avec lui, toi? Tu as reçu la semence du diable en toi. Tu dois t'en défaire ce soir. Tu dois t'en défaire.
Beaucoup meurent. Maintenant, à un moment donné de la vie, ils sont fatigués, sont allés même au bord des rivières. Au bord de la mer, au bord des marigots. Ils ont fait appel à des chéris, à des esprits. Pour venir les aider. Pour leur donner une beauté. Pour permettre que leur mari les aide. Si tu as pris sa parole, aujourd'hui tu dois le renvoyer. Commence par regarder ta vie. Commence par examiner ta vie. Examine ta vie. Tu as passé tout ton temps dans la cigarette. Tu as passé tout ton temps dans les cabarets. Tu as de la tu finis de fumer de poire. Tu commences à raconter. Jésus, 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 Jésus
Nous avons la victoire. J'ai 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 la victoire. Acclame Jésus. Maintenant nous allons prier. Si tu pries réellement, je te dis la vérité. Tu sois complètement libéré. Amen. Tu vas ouvrir son ton commerce. Le cacao que tu as voté, tu n'as jamais payé là. Tu vas t'appeler pour dire, prends ton argent, je ne veux pas avoir peur avec Jésus. Parce qu'il t'a fait attendre là-bas pour arriver à voir ta tête comment il est. Alléluia. Je vais vous amener à prier réellement. Il faut apprendre à dominer la chair. Jésus. Nous allons chanter ce chant qui dit « Je vais marcher sur la puissance de l'ennemi. » Voilà. Amen. Amen. Jésus dans le temps. C'est ça. Et Jésus dans le temps. Oh, chantez. Jésus dans le temps.
Amen. 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 Envoie les anges, 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 envoie les anges
les anges. Tu les vois. Envoie les anges. Par les airs. Envoie les anges. En ce lieu. Envoie nous les anges. Envoie nous les anges. Au nom de Jésus. Tu vas renoncer à la sorcellerie. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi seul. Il est créé. Que je reçois dans mon cœur et dans ma vie. Seigneur Jésus, toute nourriture venant à la table des sorciers que j'ai mangé, qui veut de moi un sorcier, qui veut de moi une sorcière aujourd'hui, Sors,
Sors de moi. Il est bon. Prie au nom de Jésus. Sors de moi. Il est bon. Serpent. Jésus. Sors de moi. Il est bon. Sors de mon corps. Il est bon. Sors de mon corps. Il est bon. Le serpent. Bon. Le serpent. Il est bon. Prends ta position. Sors maintenant. Il est bon. Sors maintenant. Il est bon. Commence à prier. Il est bon. Commence à prier. 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 Demande là. Donne. Le serpent. Il est en train de sortir.
Il y a un serpent encore ici. Il y a encore un serpent ici. Il y a un serpent. Qui s'est enroulé à Kadnamini. Qui s'est enroulé à la côte de Kadnamini. Il y a un serpent. Il y a un serpent. Qui a entouré le coup de quelqu'un. Le serpent. Il donne le mal au coup. Tu sens quelque chose de quitter. Mais d'abord, c'est là. Tu sens. D'abord, quelque chose de quitter. D'abord, viens de voilà. Tu as souvent mal au cou. Viens de voir les Je saisis le pays. Je coupe sa tête. Je coupe sa tête. Je coupe sa tête.
Recevez, Gastro, 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 recevez, Gastro
guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, tu n'es plus malade, tu n'es plus malade, tu n'es plus malade, tu Bye.
Alléluia. Comment est-ce que tu vas donner 2000 acclamations pour Jésus. Et bien, la même chose, je vais vous dire. 2000 acclamations. Chez nous là, à nous faire un fort Odile,
Oh, we dit qu'on va tomber au Tiwea. Ça veut dire quoi? Un poisson qui est sur le feu comme ça. Oh, Jérémy, ben, tâche-moi quand ne peut pas pourrir. Attendez, quand tu un poisson qui est sur le feu. Jérémy, on va appeler, tâche-moi quand tu attendez, quand tu donc, tu vas venir devant Jésus comme ça. Et bien, on a un lien sur le et retourner à la maison. Car quoi, c'est un loup, comment avec un démon dans ton corps. En disant, ni. Non, toi là. Ah, c'est réglé. Non. Il est grand. Tu es venu dans le feu. Il n'en a pas là. Et tu vas retourner à la maison. Car c'est une cause qui avec un démon dans ton corps. Allez, sous-titrage de l'issue. Je ne crois pas. Maintenant là. Je ne veux pas être à ta place. Il t'a fait Gaïta, non là. Gaïta, non là. Moi je veux là. Ne me fais. On va prier jusqu'à. Ah mais c'est que du camp. Les démons même vont crier pour dire. Je suis très heureux que tu aies on a compris. On a ah, compris. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis. Ma foi, ma foi. Ce village là. Douni. C'est Jésus qui a localisé ce village. Jésus a localisé Niana Tomo. Et ce que vous êtes en train de vivre ici là. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu ça. Acclame pour Jésus. Alléluia. Dans nos renseignements. Attends, On nous a informé. Qu'il y a un virus qui est en train de ronger le village de Kaneta. Et ce virus, son nom c'est la sorcellerie. Et à cause de ça, il y a beaucoup qui sont en train de fuir ce village. Se loger ailleurs. Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas vrai? Amen. Ce soir, Jésus a écrasé les sorciers. Voilà. Désormais, vous ne pouvez plus fuir qu'en état à cause de son désormais. Il va voir. Jésus revient sur son. Jésus vous aime tout. Yes, vous là. Allô.
vous êtes les vrais enfants de Dieu. Vraiment, après la matière, t'as été immoré. Parce que vous aimez Jésus. Parce que Jésus a vu. Jésus a vu votre amour. A garder qu'on est. Et il est venu ici. Amen. Et il est en train d'opérer votre vie. Avec vraiment un simple cas de la vie. Les démons qui se manifestent. Là. Les démons. Depuis qu'ils sont envoyés sur la terre. Personne ne les a jamais chassés. Les démons qui ont déjà fait plus de 1000 ans sur la terre. Personne n'a jamais parlé de. Mais, qui sont ces gens là? Mais oh mon son, ils sont venus dans ce village. Oh, nana, oh, et on s'est parlé d'eux. Quand on fait. C'est pour ça que vous allez voir. Allez, vous savez, les démons qui se. Vous voyez la colère. Vous voyez la violence. C'est pas des petits démons. C'est des démons guerriers. C'est des démons qui ont déjà. Le village de Canet, c'est après le baptême. Allez, on va vous faire le baptême du Saint-Esprit. Thank you.
de Jésus, nous avons prié. Viens ton là, ton Dieu. Reste concentré, tu vas prier. Il y a beaucoup, ils sont vivants. Mais leur âme est déjà enterrée. Certains, leurs âmes sont enterrées au cimetière. Certains, leurs âmes sont enterrées dans les grottes, dans les montagnes. Certains, leurs âmes sont enterrées dans les grandes forêts. Et ils sont là seulement, mais un corps vide. Et à cause de ça, rien ne marche dans leur vie. Rien ne bouge dans leur vie. Tu vas prier de toute ta force. Là où mon âme est enterrée, que la puissance de cet esprit localise mon âme et déteint mon âme. À la sorcellerie. Tellement que vous êtes eux-mêmes n'ont pas la sorcellerie.
Lui, là, les enfants sont des sorciers. Mais les enfants détruisent leur vie. Et ils ne savent rien. Mais au titre qu'à voir, tu vas prier. Et puis dans ce que tous les fruits de mes entrailles qui sont dans la sorcellerie, que la puissance de cet esprit, qu'on m'a dit, c'est qu'un livre mette la bombe, c'est qu'un livre mette la bombe, c'est qu'un livre mette la bombe, c'est qu'un livre mette Tu dois venir.
Je vois le sang de Jésus. Mais il est pas possible.
parle le sang de Jésus. Mais c'est pas fini. Je parle le sang de Jésus. Mais c'est pas fini. Je parle le sang de Jésus. Mais c'est pas fini. Je parle le sang de Jésus. Mais c'est pas fini. Je parle le sang de Jésus. Mais c'est pas fini. Je parle le sang de Jésus. Mais c'est pas fini. Je parle le sang de Jésus. Mais c'est pas fini. Tous les ténèbres de sorcellerie en moi. Mais au cas là, on se dit que soit détruit par le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous arrivons. Tu vas commencer par remercier le Seigneur. Bon. Seigneur, merci. Commence par remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour la délivrance. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus, nous avons la Castelique. Acclame pour le Seigneur Jésus. Je tiens vos familles ici. Alléluia. Alléluia. Écoutez très bien. La délivrance. Bon, c'est dit. À trois niveaux. C'est le premier niveau. Et beaucoup ont reçu la délivrance. Mais c'est pas totalement ça. Mais avant pas. Il y a certains. Les esprits sont là et ils résistent parce qu'ils ne supportent pas que la maison qu'eux habitent depuis longtemps là. Que des inconnus viennent avec un nom puissant appelé Jésus. Et comment ils sont dévoilés? C'est dans l'eau de baptême qu'ils sont dévoilés. Au moment où la personne va être plongée dans l'eau de baptême, quand il sera plongé au nom de Jésus, l'esprit réagit. Même s'il se cache ici, au moment où il veut te plonger, il ne va pas se cacher. Il va réagir. Et quand il réagit, c'est en ce moment, la puissance du Saint-Esprit, Jésus t'a parlé, les théologes, et tu te baptises librement. Donc, ce qui te peut, le Seigneur fasse, le délivrant complet. Demain matin, on a rendez-vous pour le baptême de tout le monde. Mon père, tous ceux qui ont accepté, mais nous sommes là. Marcher avec Jésus pour appartenir à Jésus. Et les sorciers ne pourront plus rien sur la vie. Demain matin, on a rendez-vous avec eux. Je vais vous dire, si tu es baptisé dans catholique, ce baptême-là, allez, baptême, Jésus ne connaît pas ce baptême. Justement, allez, donc. Parce que ça, c'est pas baptême. Parce que baptême, on a jeté de l'eau. Le vrai baptême, on va te prolonger dans l'eau. Et tu vas mourir avec Jésus. Et tu vas sortir avec Jésus. Là, tu es victorieux. C'est ça le vrai baptême. Alors, baptême. Le baptême. Baptême. Dans les églises qui ne sont pas dans la vérité. Dans les églises où on parle les mèches. Les églises où on parle les chaînes. Ce baptême-là. Allez, baptême. C'est pas dans la vérité. Le baptême que tu as fait. Baptême. Et on a dit au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Non, ça ne fait pas le baptême. Allez, le vrai baptême. Baptême qui fait peur au démon. C'est le baptême au nom de Jésus. Allez, comme baptême qui là, donc tous les baptêmes.
que vous avez fait un peu. Qui ne respecte pas la sainte doctrine de Jésus. Vous devez reprendre ce matin. Et Jésus va vous délivrer. Jésus est impossible. Après ce matin-là, allez, quand on le fait. Aucun esprit de sorcellerie ni esprit de sorcellerie ni sorcellerie Jésus va te libérer. Jésus va te libérer. Donc ça c'est demain matin. Allez que la signe. Demain à 8h. Fini, y a 8h. Qui sont ceux qui sont prêts à venir demain à 8h? Donne dans le haut, là, 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 8h. Pour le baptême, au nom de Jésus. Baptême taille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, toi là. Baptême. Quand tu dis là, donne les gants, quand tu dis là, c'est lui. Ah, il ne veut pas faire baptême. Attends, pour la gueule. Vous ne voulez pas faire baptême. Attends, pour la gueule. Ah, vous êtes fatigué de Jésus. Donc, attends, c'est là. Celui qui ne fait baptême demain, il a mis la clave. Il demande un baptême et il a mis la clave. Alléluia. C'est le temps. Vous-même, vous allez voir de quoi je parle. Ah, lui, il demande un baptême. Vous allez voir de quoi je parle. Au moment où on veut plonger cette terre là, les démons vont réagir. Mais si le démon n'a pas réagi, mais il y a un soutien. Au moment où on veut plonger, le démon va réagir. Alors le soutien va le chasser. Donc le baptême au nom de Jésus là. Donc baptême au nom de Jésus. Le vrai alliance avec Jésus. Alors que là, la donc demain là, il ne faut pas rester derrière. Il faut venir devant. Pour que le baptême soit fait. Yango baptême béké. Alléluia. Toi maintenant. Jésus-Christ a le meilleur projet sur votre vie. Yesu, et après le baptême demain. Baptême qu'on fait. Le soir. La paix. Après le baptême. Baptême qu'on fait. Recevoir quelqu'un sur le cas. Amen. Maintenant le soir. On va faire le culte d'action de grâce. Quand on vous l'a fait, amen, hein, vous serez rempli du Saint-Esprit. Amen, acclamez Jésus. Nié. Amen, allez là, et pas là que vous l'a fait. Le culte d'action de grâce. Pour Mikala, ni Fanny, ni le Saint-Esprit même va vous remplir. Mais ni Bena, il est Fanny. Allez là, ben, si nous l'a fait. Ce sera demain soir. Allez là, ben, si nous l'a fait. Donc, on va faire ça. Donc, amen, allez, qu'est-ce pas la grâce. Jésus t'a signé. Donc voilà les deux rendez-vous de Dieu. Mais ben, quand rendez-vous flash ni. Donc personne ne manque ce rendez-vous. Moi aussi que n'a rien. Que la grâce du Seigneur. Donc attends c'est. Jésus-Christ soit sur vous. Okay, attends. Amen. Et c'est toi. Alléluia. Amen. Amen.